Salut à tous, c'est Infinity sur... enfin, compte Corée, bien sûr. Changer de nom, je suis plus marqué Infinity, traduit par Google en coréen, mais bien Infinity. Ouais, parce qu'en fait, j'ai des petites plaintes comme quoi... Ouais, je reprends les vidéos d'un coréen et tout. Je fais lol. Quand j'ai vu ça, je fais lol. Enfin, bref, les gens savent plus quoi inventer. Bref. Donc c'est bien moi pour preuve, regardez la date, 2-9, machin. 2014, bref. Donc ça veut dire que c'était fait ce mois-ci, etc. Bref, on s'en fout, les gens, c'est des rageux, et vu que c'est des rageux, on s'en fout, voilà. Évolution, pite. Alors, avant, Kerrigan, voilà, ce que j'ai choisi dès que j'ai fini la mission, et que j'ai, pour respect que j'ai oublié, mais j'ai un peu la flemme d'attendre. Donc, tac, j'ai remis le machin, j'ai remis ça, tac, je suis reparti, tac, 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 tac. Donc si on reprend, ça fait 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, voilà. Fury c'est fat, c'est puissant. Fury c'est puissant. Evolution Pi, on aime bien Pi. Et on y va. Start mission. Mission, on aime bien. Alors, pour ce qui est des Swarm Hosts, une idée inutile. Bah, vraiment inutile. Sauf en ladder, bien sûr, mais ça c'est pas vrai. Je parle de la campagne. Inutile, sauf pour un off, là, au fait de maîtrise de la toute dernière mission, il y a besoin des petits Swarm Hosts. Ah, déjà besoin. Vu que mon guide est fait pour que les personnes de tout niveau réussissent les missions, je sais même plus ce que je voulais dire. Je suis mauvais en fait, je suis quand même nul. Regarde un peu mes guides, hein, je suis mauvais. Non, plus sérieusement, ils font que 10. Bon, ouais, on s'en fout. Pour ce qui est des guides, ouais, c'est pour toutes les personnes de tous les niveaux réussissent. Même le plus nul des joueurs, le mec qui se prend pour une grosse merde, ben, il y arrive. Voilà. Alors que personne n'est mauvais. Personne n'est bon, personne n'est mauvais. C'est, on va dire, la persévérance dans le jeu aussi, hein, l'expérience du jeu. Bon, il y a des gens qui sont nés pour ça. Ça, par contre, faut pas le dire, parce qu'il y en a qui vont prendre la grosse tête. Mais au pire, voilà quoi. Genre moi je suis pas le meilleur des joueurs, mais je pense pas être mauvais, mais je suis pas non plus the best, hein. Je suis pas vraiment le PGM et tout, hein. Je suis du ladder classé, enfin voilà, je joue un peu, mais c'est pas non plus, je suis pas... Genre toi t'es un rebelle, toi t'as pas lancé tes yeux comme les autres. Et les gens, ouais, c'est vraiment, ils jouent, c'est pas pour jouer, c'est pour l'argent, tout. Il y a des gens, ils jouent, ils apprennent le jeu, donc ça c'est pas pareil, ces gens-là sont respectables. Il y a des gens qui savent faire la part entre la réalité et le jeu, alors qu'il y en a qui savent pas du tout. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça, juste pour dire que je pense pas être mauvais, mais je pense pas être le meilleur non plus. Je me lance pas de fleurs, je pense que voilà, j'ai un petit niveau sympa, je me classe... facilement mon top diams, mais pire. Ça c'était avant que j'arrête de jouer, maintenant que j'ai arrêté, on va dire que je pense que faudrait que je refasse du ladder pour voir le niveau que j'ai, mais je pense vraiment plus avoir le niveau de même platine. Pas possible. Même si je trouve que depuis quelques temps que j'arrive à gérer mes macros et tout, bon c'est pas non plus comme avant, mais je trouve que depuis quelques temps j'arrive vraiment mieux à gérer tout ce que j'avais avant. On va dire que je suis pas exactement comme j'étais avant, mais je suis pas mal, je me trouve vraiment pas mal depuis que j'ai repris, parce que avec la grosse pause que j'ai faite, je me trouve vraiment bien. Bref. Voilà, pour discuter de ça, on s'en fout, moi on s'en fout, je suis pas la priorité, je suis pas un... Total. On s'en fout, Zer, cocon. Cocon Zer. C'est moche. Non merde, ils sont pas dans le mucu. Ils sont pas dans le mucu. Et en fait les locus c'est des sacs à PV, ils ont
quand même 60 plus de PV que les Marine Shield. Et ils font plus mal. Ils ont pas la même fréquence de tir, je crois. Non, non, ils vont un poil plus lent. Ça, je m'en rappelle, c'est marrant. J'aime bien l'idée de ces swarm hosts qui peuvent se déplacer sur un espèce de TP mucus. Ni dans la deux, c'est ce que j'ai dit. Ni dans la deux. Pourquoi pas? Allez. Je prends celle-là parce qu'en fait, bah, je m'en fous. Au moins, ils sont jolis en vert. Même si je préfère beaucoup plus le violet comme couleur. Je les trouve pas mal en vert. On a des œufs qui débordent, c'est un peu dégueulasse. C'est ça que bon. Va falloir que je me remette au jeu. De toute façon, je vais stream mon. Enfin, je vais stream. Je vais y arriver. Coral, on va sur Coral. On va sur Cora. Je vais y arriver, excusez-moi, hein, mesdames, messieurs. Je vais frapper, je vais filmer mon ladder, ma remontée, on va dire. Je vais full déclass jusqu'à bronze. Je vais faire un bronze. Ouais, je suis un full bronze tout master. J'ai été master pour une saison dans toute ma vie. J'ai aucune prétention à monter master, mais genre aucune. Mais bon, c'est pas grave, si j'y arrive, ça veut dire que je suis pas mauvais. Que j'ai pas trop, j'ai bien géré. Évolution Pi, j'ai déjà fait Kirigan, mission. Ah oui, c'est bah oui, forcément, c'est ce qui me manquait. Donc là, il va falloir que je sais même plus. Je sais même plus quelle unité je faisais. Je crois que je faisais full Zergling, ça passait tout seul. Mazgling, avec des mutas, comme d'hab ou quoi. Non, de souvenir, je lançais quelques ultras et je lançais des. Je mettais une unité en plus. Le roach. Je mettais du roach. Forcément. J'adore le roach. J'adore les roach. Le roach est tellement fort. C'est fort les roach. Mais ouais, non, là je sais pas. On verra. On verra, ça se trouve. Ça se trouve, je vais roachiser. Ça se trouve, je vais pas roachiser. On verra. Oh là là. Retribution. Ils sont tellement beaux, on va nous dire les Yorks. Sauf que je libère. Non, mais dans le genre, toi, t'es vraiment bête, mais t'as battu les records. Je te dis d'aller cracher ce que t'as dans la couveuse, et qu'est-ce qu'il me fait, là? C'est débile. C'est là que ça a tombé. Je m'en rappelle pour le haut fait. Oh, purée, je m'en rappelle. J'avais commencé la mission parce que moi en fait quand je commence la campagne de chaque jeu, enfin de chaque jeu de HTS ou autre, quand j'avais commencé, je dirais que je regardais le haut fait machin avec mon bordel, etc. Et je pense que pour d'ailleurs rien à voir, mais pour la prochaine mission, je vais faire ça. Je vais faire pour la prochaine mission, qu'est-ce que je raconte, je dis la merde moi. Pour la prochaine campagne, je vais faire ça. Je vais lancer les. Je vais directement filmer ce que je fais. Comme ça, j'aurai une très très grande longueur d'avance par rapport aux autres personnes qui font des. Qui filment leur campagne. Parce qu'eux, ils le font pas de la même manière. Ou alors, peut-être un peu moins bon pour certains, sans vouloir critiquer. Hein. Je suis pas là pour critiquer. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui filment leur campagne qui sont beaucoup mieux que moi et qu'ils font ça comme des PGM, sauf qu'ils ont oublié un détail, c'est que si on envoie des vidéos sur internet, c'est pour que les gens de n'importe quel niveau réussissent à faire ce genre de mission. Donc c'est mieux de jouer dans un niveau peut-être pas pathétique, mais un niveau moyen, on va dire, et assez correct dans l'ensemble. Et que pour être un jeu assez facile pour que les gens vraiment casus qui galèrent à faire la campagne et qu'ils ont un seul rêve dans ce jeu, même si c'est un pour certains c'est un rêve complètement débile et c'est un portrait complètement débile, c'est d'avoir peut-être je sais pas moi le portrait de Naruto ou le portrait de
de Sarah Kerrigan quand elle était encore humaine. Pour le mode brutal, quoi, le mode brutal, quoi. Je suis désolé, mais on a. Waouh! Il y en a, ils se battent comme des diables pour ça, et il y en a, ils se moquent d'eux parce que c'est des gens qui sont à leurs yeux, ils sont mauvais, quoi. Je suis désolé, ces gens-là, s'ils trouvent que ce jeu, enfin, ce jeu est compliqué, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais que si ils galèrent à la campagne et qu'ils sont pas, ils viennent de commencer, ils ont jamais joué à un jeu comme ça, je suis désolé, mais ils peuvent avoir les ambitions qu'ils veulent. Pas là pour les juger, nous en tant que joueurs, on n'est pas là pour juger les gens, on n'a pas le droit de dire ouais lui il est mauvais par exemple, c'est interdit ça, c'est pas interdit au point de genre si tu le dis tu vas en prison, mais je veux dire ça devrait pas s'autoriser, c'est pas bien de dire à quelqu'un ouais t'es mauvais, retourne jouer à un autre jeu, ça se fait pas, genre le mec s'il est mauvais, bah il faut qu'il s'améliore, et si tu le trouves mauvais t'as qu'à l'aider à s'améliorer, voilà, mes guides sont faits pour ça, pour que les gens s'améliorent. Pour que les gens qui ont peut-être un rêve de faire une campagne un jour, ils ont trop envie de faire la campagne en mode brutal, ils n'y arrivent pas parce que c'est trop compliqué ou je sais pas quoi. Même si je le vois avec la campagne d'Arthur de Storm est trop compliqué, même si on est vraiment casu de chez casu, faut vraiment être mauvais. Ou alors ne pas savoir jouer Zerg, mais quand même Kerrigan aide trop. Je dis pas franchement c'est Freeloot, mais Kerrigan aide beaucoup trop pour cette campagne. Je l'ai trouvé beaucoup plus facile que celle de Wings of Liberty. Sauf peut-être pour certains Ophéline Maîtrise, peut-être pas. Peut-être que les Ophéline Maîtrise, il y en a qui sont beaucoup plus galères que les Ophéline difficiles qu'il y avait sur Wall. Mais même sans ça, je suis désolé. Je suis désolé, mais non, c'est pas possible. Allez hop, on casse tout, on s'en fout. Les Erling Tanks sont là pour tanker. Bon, pour ceux qui se disent, ouais, les unités, les Zerglings, ouais, tu les sacrifies et tout, mais en même temps, ça sert à rien, Zerglings, c'est plus la merde, voilà, point barre, X des lol. On lance là, tac, là, il faut qu'on aille faire, faut qu'on refasse un drone, pourquoi? Parce que j'aime bien être à 20, alors que les gens qui me connaissent savent très bien que j'aime bien être à 20. Moi, je fais ça, je fais de la merde. Toi, tu vas là, quoi. Tu vas me faire un sport. Toi, tu vas t'enraciner ici. Tac, et toi, genre, toi, là, tu vois, là, t'attaques, tu vois, c'est. Genre voilà, tu te couches, t'es, voilà. Genre là, tu vois, je casse tout. Et je casse même la porte. Je suis quelqu'un de pas manneur, je suis quelqu'un de méchant. Voilà, une porte en moins, et il faut tous les péter avant que le... Il faut absolument détruire les trois portes avant l'arrivée du dernier virophage. Voilà. Il faut faire surtout attention, c'est pour ça que j'étends mon crypt d'ailleurs et que je le fais même très mal en ce moment. Parce que, bien la macro d'étendre le crypt, je n'ai jamais vraiment apprise quand je jouais Zerg. Pourtant je suis monté plate avec le Zerg. J'ai jamais appris à étendre mon crypt comme professionnel. Je trouve ça trop con, pas trop compliqué, mais trop chiant au niveau de la macro de bien. Je crois que les Zergs au niveau de la macro, et avec les protos, c'est vraiment les Zergs et les protos, c'est vraiment ceux qui sont les pauvres. Voilà, point barre, les pauvres. Les protos, ils galèrent au niveau de la macro à cause de. Tout simplement à cause de ce qu'il y a au niveau Sentry, High Templar, tout bordel, Phoenix. Ok, sur ça je suis d'accord. J'avoue que le proto c'est énorme, alors le Zerg au niveau de ses cryptumores, mais laisse tomber. Ouais, je sais qu'il y en a un, mais avant je veux que je rase. Ça, par exemple, c'est bien, je sais pas pourquoi c'est tombé là, mais on s'en fout. Ça donne des unités gratos, c'est pas mal. Ah, par exemple, des ultralisques, ça c'est bien. Des ultras, c'est bien. Genre, j'ai pas assez de gaz. En vous, j'ai une B2 qui est là, mais je peux aller la chercher. Pourquoi? Parce que. Je suis pas là pour faire du PGM, bon, même si des fois j'avoue je vais chercher les B2, mais bon, j'ai envie de dire vous avez qu'à voir. Hein. C'est vraiment du bonus, là j'ai vraiment la flemme en fait, c'est surtout ça que j'ai la flemme. On va pas envoyer les mutins, on va passer les mutins. Vraiment la flemme d'aller chercher la B2, je pense que je le ferai parce que bon, je sais pas que je suis encore de ressources, mais c'est un peu chiant à monter.
vous, c'est un conseil que je vous donne, c'est aller chercher la B2 dès que si vous avez le niveau, enfin le niveau. Il n'y a pas de niveau spécifique pour aller chercher une B2, mais si jamais vous le sentez, allez la chercher, c'est bien, c'est beaucoup mieux. Le Mion Strike Force, qu'est-ce que c'est ça? Ennemi territory, mon fou. Genre, ah oui, ça y est, je m'en rappelle, connu. Là, je vais sortir Léviathan et on va tout casser. Genre, ah oui, c'est ça, ils sont tous énervés en fait. Bon, je vais quand même chercher la B2 en fin de compte. Hein. J'ai menti, les viewers, excusez-moi. J'ai beaucoup menti. Alors, genre ça, tu vois, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. C'est pas ce que je veux que tu fasses, mais c'est pas grave. Mais l'ultralisque, bah qu'est-ce qu'il me dit, ils m'ont attaqué mes unités, il y a un ultra quoi, mais allô. Alors ça par exemple, ça c'est moche. Ça c'est encore plus moche de faire ça, bon, vous attaquez, vous allez raser ce qui est là. En mode dégueulasse. Et vous là, vous allez vite aider. Ouais, il faut vraiment que j'aille chercher une. Vraiment, j'ai cherché une deuxième base en fin de compte. C'était pas négligé, mais alors pas du tout. Alors pas du tout, il est négligé. On va faire ça. Bon, bah finalement, hein, excusez-moi, j'ai menti. Je vais vraiment chercher une deuxième base. J'ai plus la flemme, bizarrement. Quand j'ai vu ma vie défiler dans mes yeux. Dommage, on peut pas le casser. Franchement, c'est dommage. Allez, on me casse là, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Merci, au revoir. Ah, par exemple, vite run là. En vrai, toi tu vas mourir, on s'en fout. Tu lances des decks, on s'en fout. Tout le monde là. Hop, on fait ça. Pourquoi ils ont le rally point là-dessus alors que je le demande sur la reine mais la. Voilà, Blood of Queen. Blood of Queen. Le sang de la reine. Je suis vraiment poulet en fait. Je la merde. Voilà comme ça, du coup là on va. Non, en fait, on va faire ça. C'est pas mal, on va faire ça, ça. Double extracteur. Là, ça par exemple, ça c'est moche. Personne a le droit. Genre, personne. Ma B2 c'est la mienne. Genre, là ce que j'ai fait c'est moche. Genre, vraiment. Je te fais de la. Je nous fais de la macro pourrie. Landing location, c'est la dernière. Ouais. Alors j'y pense en train d'avoir. Peut-être que je rase la dernière base. Enfin, les deux dernières, parce qu'il y en a encore deux. Bon, toi tu vas là, comme ça. Là tu vas là-bas. Voilà. Et là on va faire ça à l'ancienne, correctement. On va refaire des drones, etc. Chercher la B3. Je trouve que j'ai fait la macro, mais vraiment à chier. Mais au pire, on s'en fout. Je suis pas là pour ma. Je suis là pour m'éclater. Je suis là pour. Oh putain! Erreur! Toi, tu vas venir là. Et toi, tu vas run. Allez, les speed boots que ça. Putain, j'ai laissé ma zone sans défense. Vraiment con.
Non mais connard, vraiment pourri, je suis vraiment nul. Mérite pas là. Allez, go, 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 go. Ah là 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 là. Du coup toi tu vas faire ça. Si j'ai envie quelqu'un, il est pas venu. Il est pas venu mon drone. Il est où? Il est là mon drone. Toi du coup tu l'es miné. J'en ai dit. On va lancer un armure. On va lancer un Léviathan. Toi tu vas déboîter là-bas. On va faire mal. Bon, tu vas faire mal. Allez, vas-y. Gros tout cassé. Genre en mode gros méchant. Ça par exemple, ça c'est moche parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment faire. S'il vient sur. Non, c'est bon, il vient pas sur. Genre, ça c'est méchant. Ça on casse, on s'en fout. Alors là par exemple on s'en va. Ok, c'est cool, j'ai fait de la merde. Allez, on fait ça, tout le monde rendez-vous là. Toi tu vas là, tac, on va faire ça comme ça. Oh vous venez là les gars. Tout le monde rendez-vous là. J'ai vraiment fait de la merde. Oh, l'arrivée de Speed, c'est beau ça. Je laisse de quoi qu'il y a. C'est bon, c'est bon. J'ai vraiment fait de la merde, surtout ne pas reproduire chez vous. Surtout qu'en fait, j'aurais pas été aussi lent à aller chercher ma B2. J'ai pas ce problème de minerai. C'est pas grave, c'est une erreur de merde. C'est vraiment des missions chiantes. Donc, par exemple, là tu veux mourir, parce que tu casses les couilles. Chef. Voilà, ça, dominant c'est bien. Là normalement, ils peuvent plus m'attaquer, j'ai tout rasé. Ah, j'ai tout rasé, non. Pas vraiment. Enfin bref. Voilà. Ah bah voilà, bah forcément. Bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis à bientôt pour... Enfin, à tout de suite, j'ai limite envie de dire. Ouais, enfin bref, à bientôt pour... Attends. J'en fous, Pierre. Non, on s'en fout de ça, je sais pas pourquoi. Bref, mais bien, à bientôt. Donc, je disais à bientôt à tout le monde pour la suite de Coral. On va aller tout déboîter sur la prochaine mission. Je sais même plus ce que c'est. Et donc, à tout le monde et à bientôt. Salut, salut!